Je m'appelle Seydi Kébé et je travaille au sein de l'organisation GRDR qui s'appelle Migration Citoyenne et Développement. En fait, ma motivation est d'une part liée à la pratique parce que je ne suis pas de formation en tant qu'évaluateur, mais dans le cadre de mes fonctions, j'ai été promu comme évaluateur. Et dans la pratique, j'ai senti qu'il est nécessaire de me capaciter davantage pour pouvoir bien mener ma mission. Et lorsque j'ai entendu l'opportunité que le CESAC offre ce master, vu la renommée du CESAC, je me suis dit que voilà, il faut que je m'inscrive pour davantage m'outiller pour bien mener ma mission au sein de mon organisation. Bon, le sentiment quand on écoute en fait le programme, on sent derrière, il y a quelque chose derrière. Et ça, c'est une source de motivation qui va nous permettre davantage d'apprendre, mais aussi vraiment d'être de bons évaluateurs. Alors, bonsoir, je m'appelle Hélène Passy et je suis diplômée de licence 3 en gestion de projet et création d'entreprise au CESAC. Alors, je me suis intéressée de très près au master après un cours que j'ai eu à faire en suivi évaluation, exactement licence 3 avec le docteur Moussa Tia. Et durant ce cours, je me suis rendu compte que j'étais très intéressée par l'univers de l'évaluation qui, fort heureusement également, entre toujours dans le cadre de projet. Après ce cours, je pense que je ressors encore plus enthousiaste. C'est très rare d'être enthousiaste quand on vient à l'école. Mais là, je dirais que j'ai très hâte de commencer les cours le lundi. Et la plaquette des matières montre encore plus largement à quel point on s'est concentré sur ce programme. Donc, je suis très impatiente, je dirais.